Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes 100% automatique. Vous allez voir, vous allez adorer. Et en fin de vidéo, le tirage au sort et les résultats du concours pour gagner Linking Cards. Bref, comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour, vous avez le lien de la vidéo explicative directement dans la description et dans la section commentaires. Pour les autres, profitez de la vidéo, allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes et d'une paire de dés. Donc bien entendu, si vous n'avez pas de dés, on peut faire le tour également sans. Mais si vous les avez, c'est encore mieux. Donc je vous expliquerai comment les deux versions. Hein. Mais voilà, avec les dés, pourquoi on utilise des dés? Parce que les dés, c'est censé représenter le hasard, les jeux de hasard. Donc quand on lance les dés, ben, on lance le hasard. Et ça va nous servir pour retrouver une carte et tomber sur une carte. Alors imaginons, on lance les dés. Normalement, c'est le spectateur qui le fait. Hein. Alors imaginons, il fait ça. Là, on tombe sur 12. 12, donc on va les mettre de côté, voilà, comme ceci. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va la mettre de côté, donc vraiment c'est le hasard qui nous a fait tomber sur une carte qu'on ne regardera pas pour l'instant. On va la mettre juste ici, bien en vue, comme ça on ne peut pas la manquer. Par la suite, le spectateur fera, on va dire, 3 paquets à peu près égaux, comme ceci. Voilà, je l'ai fait pour lui, normalement c'est lui qui les fait. Hein. Et en fonction de la valeur de la carte, donc là pour l'instant on ne la connaît pas, mais je vais vous montrer ce qu'on va faire, on va distribuer des cartes. Donc imaginons que si le spectateur était tombé par exemple sur un 6 de cœur, on aurait pris la valeur, donc 6, donc si c'était un AC 1, 2, 3 ainsi de suite, mais imaginons qu'on prend un 6 de cœur, on aurait pris le paquet, on aurait compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on aurait posé deux cartes suivantes sur les deux autres paquets. Et on aurait fait ça pour tous les paquets. Donc là on va le faire réellement avec la carte choisie par les dés, par le hasard. Et là on est sur un valet, le valet ça vaut 11, 10, valet 11, dame 12, roi trèfle, donc 11, donc on va le refaire, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on rajoute 2 cartes, on le refait avec ce paquet là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on rajoute 2 cartes, et une dernière fois avec celui là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on rajoute 2 cartes, là pour le coup vraiment, on a distribué des cartes par rapport à une carte choisie par le hasard des dés qui est un valet de carreau. Ça serait vraiment fort dans cette position là que si on tape sur les trois paquets, qu'on tombe sur le carré de valet. Et bien entendu, tout est examinable, il n'y a rien à voir, le pur hasard des choses. Incroyable, n'est-ce pas? Et voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. C'est 100% automatique, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. C'est le spectateur qui peut manipuler les cartes, vous n'avez vraiment rien à faire. Ça marche à tous les coups, vous pouvez pas vous rater. Si vous suivez les instructions, ça marche tout seul. Donc voilà, ceux qui voudraient apprendre à le faire pour présenter à ses amis ou à la famille, je vous mets le lien de l'explication directement en bas de la vidéo dans la description et également dans la section commentaires. Et pour les autres, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser le gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à référencer mes vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. D'ailleurs sur Instagram il va y avoir sûrement des concours prochainement, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, il y aura des concours en plus de ceux qui seront sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez discuter avec moi, me poser des questions et même participer au concours, eh ben, n'hésitez pas à me suivre dessus. Également l'école de magie 100% gratuite, magistreaming.fr. Voilà, vous pourrez apprendre les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces, toutes les techniques, des tours de magie classés par difficulté, tout ça référencé sur un même site, c'est 100% gratuit. Et pour ceux qui veulent me soutenir, vous avez également sur ce site la plateforme de VOD où vous retrouverez des tours de magie, des techniques, des fabrications de gimmicks, bref pas mal de choses sur la magie. Et maintenant on se retrouve pour le tirage au sort et les résultats du concours que j'avais annoncé précédemment. Allez c'est parti. Allez c'est parti pour le tirage au sort du concours afin de déterminer le gagnant. Donc le gagnant gagnera tout simplement une licence gratuite pour pouvoir télécharger directement sur le site le tour Linking Cards. Donc pour ce faire, je vais tout simplement aller sur un site de tirage au sort de commentaires. Donc voilà, je vais mettre ici tout simplement l'URL de la vidéo. Donc je clique pour récupérer les commentaires des participants. Donc on commence la recherche. Donc voilà, vous avez été 456, c'est énorme, 456 participants, super. Je vais pouvoir maintenant procéder au tirage en appuyant sur Start. Allez, c'est parti. Hop, 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 ça recherche. Et le gagnant est... Et le gagnant, c'est Gabriel Gibert. Ben, félicitations à toi, Gabriel. C'est toi qui as gagné, donc justement, je vais te contacter. Donc je vais sûrement te laisser un commentaire sur ce même commentaire que tu as mis sur la vidéo là pour t'expliquer comment récupérer gratuitement ta vidéo. En tout cas, je remercie vraiment tous les participants de jouer le jeu à chaque fois quand j'organise des concours, d'être fidèles chaque semaine pour mes vidéos. Sachez que je pense organiser des concours plus souvent grâce à ma plateforme vidéo afin de vous faire gagner des licences, c'est plus facile pour moi. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.